Vous demandez peut-être pourquoi, enfin, qu'est-ce que je branle au château d'Hyrule? Eh bien, c'est parce que, en fait, le dernier niveau, ça nécessite d'avoir... un boss à battre. Oula. Ça nécessite d'avoir un boss à battre, et le problème, c'est qu'avec mes armes toutes gaises... Ok. Non, ça va pas marcher. Le problème, c'est qu'avec mes armes toutes pourries, en fait, j'arrive pas à battre le Inox qu'il y a à la toute fin de ce mode. Donc, bah, il faut juste que j'y aille, quoi. Faut juste que j'aille au château d'Hyrule chercher 2-3 trucs. Et ensuite, on va y retourner. Je vous jure, on va pas tarder. C'est juste, voilà, histoire de prendre 2-3 armes. Parce que sinon, on ne va jamais réussir. On ne va jamais réussir. Ok. Alors là, on peut les attirer. Ok. Non mais... Je sais plus les dodges. Je ne sais plus les dodges. Salut, Etamine. Salut, Adrien Cal. Salut, Cortex, les pyramides. Salut, Paulus. Salut, Tristan. Yo, salut tout le monde. Oh là là, eh. Demain, j'ai cours de 8h à 10h. Bon, par contre, vendredi. Bon, vendredi, ouais. Vendredi, c'est chaud, mais... Je suis bientôt en vacances, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui attendaient le bingo Whisper Resort avec Justplay, il m'a DM récemment. Genre vraiment, il m'a DM là tout à l'heure. Et il m'a dit, yo mec, ma main ça va mieux, on se fait le bingo quand tu veux. Donc, il y a moyen qu'on le fasse genre soit ce week-end, soit pendant les vacances. Ça sera incroyable quoi, enfin c'est plutôt exceptionnel quoi. T'es ban de la chaîne de Justplay? Non mais qu'est-ce que t'as fait Nuratu là? Qu'est-ce que t'as fait, mec? Tu l'as cherché, là. C'est pas possible. Et pour se faire ban de chez Justplay, faut le faire, quand même. Alors, on passe encore une fois. Hein, c'est juste un petit passage au château, juste histoire de prendre 2-3 armes. On en a besoin. Salut, Guimauve. Yo. Go speedrun les armes. Ah ben, on est en... C'est comme si on était en speedrun à 10%, là. C'est la même chose. Ok. Voilà, je prends des arcs, je prends des armes. T'as joué Hollow Knight? Ouais, je l'ai même terminé, on l'a fait en stream d'ailleurs. On l'a carrément fait en stream. Non, dégage ça. Ok, voilà, c'est vraiment le bouclier que je voulais. Bon, l'arc de soldat, au pire. J'avoue que je veux bien le drop. Hollow Knight, il est bien. Bah, c'est génial. C'est trop bien comme jeu. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Après, que vous soyez ban ou pas de Justplay, j'ai envie de vous dire, de toute façon, ça va se faire. Et je pense que vu que je serai en vacances, ça sera moi qui ferai le... Comment on appelle ça? Le montage. Pendant les vacances. Mince. Ça a vraiment donné une vidéo incroyable. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il y a moyen que ce soit un gros banger. Bah, tu peux toujours faire une demande d'unban, il y aura tout, mais bon. Salut, Lorano. Je regarde tes vidéos sur YouTube, c'est la première fois que je regarde tes lives. Bah, bienvenue à toi, alors. Bienvenue, quoi. Qu'est-ce qu'il fait à sautiller devant la bombe, là? Mais qui sautille devant la bombe sans rien faire? J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Ok. On va quand même pas faire une potion de force 3, si. Enfin, on va quand même pas faire une potion de force. On n'est pas à ce stade. Merde, putain, fallait que je balance la bombe. Ça dit quoi? Ça dit qu'on est bientôt en vacances. Et que demain soir... Alors, demain soir, il y aura pas de stream. De toute façon, ça va, parce que j'ai stream hier soir. Je stream aujourd'hui... Et ouais, je suis bientôt en vacances, ça régale. Ça régale de bientôt être en vacances, vraiment. Ok, hop, je prends les brise rocs. Il me faut de la bouffe, en vrai, parce que, putain... Quand on arrive là, genre, quand on est sur le coup, genre, on a vraiment besoin de bouffe. Et coucou Nuja, comment ça va, mec? C'est ton emote, ça, le truc de Dumbledore? Fais sax. J'ai la ref.
C'est un vieux mème, ça, en vrai. C'est un vieux mème. Ça, nickel, ça, nickel. Ça va good. Je suis vieux, mec. Non, tranquille. C'est juste... Dans l'échelle des mèmes, c'est ça date. Bon, c'est peut-être pas aussi vieux que le Nyan 4, tu vois, mais... Genre, c'est quoi, vous, le premier mème que vous avez connu? Je suis curieux, en vrai. Moi, c'est vraiment, pour moi, le premier truc que je... Enfin, la première fois où j'ai appris la définition de mème et comprendre ce que c'était, c'était Nyan 4, vraiment. Genre, c'était mon tout premier, genre. À partir de là, j'ai su, quoi. Trollface, ouais, c'est vrai. Oh, les jeux te troll tard l'époque. Oh putain, comment j'étais accro à ça. J'étais vraiment accro à ça. Ok, est-ce qu'on a assez d'armes? Je pense qu'on a assez d'armes, non? Je pense qu'on a assez d'armes, non? Je pense qu'on a vraiment assez d'armes. Je pense qu'on a vraiment assez d'armes. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas vu... Si vous voulez, je vais vous montrer une première étoile d'abord, pour ceux qui n'ont pas vu, et ensuite on switchera sur la dernière qu'on est censé faire aujourd'hui. Nyan 4, Trollface, Nyan 4, Zizi Sparta. Ah, c'est un peu après Nyan 4 quand même. Limite, il te faudrait juste un peu plus de vie. Bah, j'ai 4 cœurs. En vrai, il me faudrait plus de... Bah, c'est vrai que je pourrais TP là-bas et échanger un cœur. Je peux faire ça. Dégoûté, j'ai pas pu finir ton live hier. Ah, t'inquiète, moi non plus, je l'ai pas... T'inquiète, nous non plus, on ne l'a pas terminé. Hein. On ne l'a pas terminé. Donc on va prendre un cœur et ensuite on va aller à Womb's Fortress. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas vu ça hier, c'est incroyable. C'est insane. C'est magnifique. C'est, je pèse mes mots. Parce qu'en fait, non seulement c'est pas un niveau qui a été recréé, mais en fait, il y a littéralement une jouabilité dans le truc. C'est-à-dire que t'as des étoiles à aller chercher et tout. C'est trop stylé. Hein. Vraiment. Alors, attendez, petit windbomb, là. Ah, j'ai pris un peu de nourriture, mais pas beaucoup. Ok. Ok, on passe par là. Bings. Ah, j'ai quand même très hâte d'être en vacances, hein, parce que putain, le nombre de trucs que tu peux faire... Le nombre de trucs que je pourrais faire... Genre, j'ai plein de trucs de prévu pendant les vacances, vraiment. Et encore, là, c'est que des vacances de une semaine, quoi, putain. J'imagine pas les vacances de deux semaines. Ok, 5 cœurs. Bon, ok, c'est suffisant. Du coup, on va se TP là où c'était. Il me semble que c'est là, non? Ouais, c'est ici. En vacances, tu peux regarder Julgan? Ouais, je peux me regarder moi-même, ouais. Enfin, en même temps, c'est un peu mon streamer préféré, quoi. Enfin, c'est le mec pas du tout qui se déteste, quoi. Tu te feras peut-être plus OS? Ah, plus OS, ouais. Hmm. C'est chiant, ça, dans la langue française. Genre, quand t'écris PLUS, tu sais jamais si c'est plus ou genre plus. Genre, c'est littéralement des sens opposés, genre. c'est vraiment terrible, hein. Si vous voulez, je vous montre sur ce niveau-là, pour ceux qui n'avaient pas vu hier. C'est incroyable. C'est incroyable. Attention, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attention. C'est abusé, hein. C'est abusé. Et la musique, c'est pas moi qui l'ai rajouté, hein. Ok. J'ai des mauvais souvenirs. Pourquoi de hier? Jure, tu dois tout refaire. Non, c'est juste pour montrer à ceux qui viennent d'arriver ce soir et qui n'étaient pas là hier à un peu à quoi ils ressemblent de manière normale. Mais après, je vais faire le niveau tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Ah mais merde, j'ai déjà pris l'étoile.
Merde, en fait, ici, si vous voulez, juste ici, il était censé y avoir une étoile. Ah bah pas. C'est un remix de Mario 64 HD, la musique. Bah, en réalité, en fait, c'est la musique qu'il y a dans Super Mario Galaxy 2. Parce que dans Super Mario Galaxy 2, il y a une galaxie où... Où c'est bah, littéralement une reproduction de ce niveau, tu vois. Et en fait, c'est la musique aussi, elle a été remake. Bon, de toute façon, vous verrez que je sors bientôt une vidéo où je fais notamment du speedrun de Mario Galaxy 2. Et en fait, c'est plus une reproduction de la galaxie qui est elle-même une reproduction de Mario 64, tu vois. Mais bref, en gros, si vous voulez, tout en haut, là, il y avait une étoile, mais maintenant, elle y est plus parce qu'on l'a déjà prise, quoi. Donc, du coup, on va... Mais là, nous, on était bloqués sur le dernier niveau. Et le dernier niveau, nous, c'est un peu le niveau secret avec des mobs et tout à abattre. Donc, c'est pour ça que j'étais allé chercher du stuff. Vous allez voir, c'est méga stylé. Parce que vraiment, en fait, il y a 6 étoiles. Et genre, les 6 étoiles, tout va bien. Genre, regardez, il y a même la quête qui nous dit, voilà, il y en a 5 sur 6. Les 5 premières étoiles, tout va bien. Voilà, c'est la forteresse comme on la connaît. Mais regardez, la 6ème étoile. C'est un petit mystère, un petit mystère. Et là, du coup, on s'est arrêté ici. Enfin, pas exactement là, mais sur ce niveau-là, quoi, en gros. Parce que hier, voilà, il était tard. Et je dois aller me coucher, en gros. Ok. Alors, du coup, pour activer le boss de l'inox, qui va être tout en haut, c'est un Stalnox. Vous savez, c'est les inox comme ça en squelette. Et donc, du coup, pour l'activer, ce qu'il faut faire, c'est buter tous les bocoblins comme ça, tous les... Comment ça s'appelle en... Pour les bocoblins? Parce que je me rappelle des Stalnox, mais... Pour les bocoblins, je sais plus comment ça s'appelle. Merde. Donc faut vraiment tous les buter, tous sur la map. Et en plus, il y a des endroits, là, vous voyez, genre là. T'as un endroit où ça se fait spawner des têtes à l'infini. C'est un peu terrible. Merde, non. Coup dur. Des Stalboco, voilà, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, il a remis la musique de la forêt perdue pour mettre une petite ambiance, je pense. C'est abusé, en vrai. Enfin, la première fois que j'ai vu cette surprise, genre, je pensais que c'était les 100 coins, la toute dernière étoile qu'on devait faire. Mais vraiment pas, quoi. T'as oublié de save? Bah, j'ai déjà sauvegardé hier. T'inquiète, j'ai sauvegardé à 5 étoiles, donc c'est ok. Salut Yamete, salut Skyban aussi, yo. Salut tout le monde. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Non, attendez, on va attendre que ça se lance. Salut Hugo Basgo. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à la fin. Peut-être qu'il y a une surprise une fois qu'on termine toutes les étoiles. Enfin, je pense que la quête se termine déjà, parce que... Genre, littéralement, dans les quêtes principales, il y a écrit... A well-known fortress, genre une forteresse bien connue. Bon, là, il va durer combien de temps? Certainement jusqu'à minuit, 1h. J'ai encore cours demain, mais j'ai que 2 heures de cours. De 8h à 10h. Et oui, je pense le mettre sur YouTube. En petite vidéo, comme ça. Je pense que ça sera une petite vidéo qu'on rajoutera, par semaine, tu vois. Genre, ça sera une deuxième vidéo par semaine. Parce que c'est pas une grosse... Ça sera pas une grosse vidéo non plus, quoi. Mais le mode est trop stylé, quand même, tu vois, pour ne pas en faire une vidéo... À part entière, j'ai envie de dire. Non mais attends, mais par contre, si ça me prend la tête là. Wesh, mon bouclier il va péter. Ok. Alors là, en plus, on est obligé de faire des shield jumps, je crois, en plus pour progresser, non? Parce qu'un jump normal ne suffit pas, si. Merde. Ah, waouh. Ok, il est mort. Ok, sa tête, elle est tombée. Ok. On va continuer tranquille, sans crever, idéalement. Ça serait bien.
Ok. Vas-y, j'ai la flemme, on va lui tirer dessus. Non ! Oh oui ! Incroyable. Incroyable. Ok. Ok. Hop. Mais mec, on a combien? on a tous les autres bocobines de la map là. Hein. Par contre, il y a toutes les têtes aussi là, j'ai l'impression, putain. Ok. Genre toutes les têtes on spawn, c'est abusé hein. J'ai trouvé un Pokémon RPG Maker. Ça s'appelle Pokémon Empyrean. Ça me dit un truc de nom. Et ça m'intéresse pas trop les... Mince. Les genres de... De ROM hack de Pokémon. Oh, c'est chiant, on est obligé de descendre là. Oh, c'est relou. C'est relou, les gars, c'est relou. Salut Julien, salut aussi Maxime. Salut aussi Matmat, yo yo yo. Ok, alors attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... où est-ce qu'ils sont les autres? On en a un ici. On va s'empresser d'aller fumer, mon gars. C'est quoi, ça? Attendez, je vous montre après. Merde. Attendez, faut encore qu'on prenne des bras. Genre, c'est quoi? Ah, merde, ça y est plus. J'avais vu un truc dans le ciel. Ah, mais je pense que c'était un truc dû à la... Je pense que c'était un truc dû au tonnerre. Ok. Ok, donc on en a tué pas mal, là. On peut regrimper par là. Ça a pas duré très très longtemps, hein, ce... Parce que vraiment, on y avait joué bien... 3-4 heures hier, ce mode. Enfin, ce mode de Mario 64. Donc, voilà. Enfin, là, c'est vraiment le dernier niveau. Juste après, on switch sur Mario 64. Ok, on passe par-dessus les... Oh là là, non mais mec. Non mais mec. Oui, pas de tuer les slimes. Non, il faut juste tuer les... faut juste tuer les bocaux. C'est vraiment juste les bocaux. Non, bro, il est tombé. Ah bah carrément, il tombe. Ok. Carrément, il est tombé dans le vide. C'est pas moi, hein. C'est lui qui a voulu. Ok, on va prendre ces armes-là. On sait jamais. Ça peut toujours être utile. Il y aura un malentendu. On ne sait jamais. Non, les slimes, c'est pas obligatoire, ouais. Tranquille. Oh, vous avez vu le nombre de têtes à mes fesses, là? Non, c'est grave. Il y en a combien, frère? Ok. Bings. On peut pas y aller, là, dans le trou? Ah si, ok. J'adore le risque. Moi, je suis quelqu'un, j'adore... Ah, ben voilà. Eh, l'inox est déjà disponible. Ok, c'est pas exactement ce que je voulais, mais ça peut suffire. Ok, du coup maintenant, on a de la bouffe, on a des armes. Franchement, je vois mal comment on peut perdre. Hein. Alors attends, par contre, faut vraiment qu'on s'équipe... comme la... Enfin, faut qu'on s'équipe comme si c'était une Dream Team, quoi. La Dream Team des armes, finalement. Bon, par contre, on va... Pour grimper, on va s'équiper avec des armes de merde. Parce que sinon, on va s'attiser les foudres, littéralement, au sens propre du terme. Ok, nickel. Avec les bombes. Ok, nickel. Alors, en espérant que lui ne va pas m'envoyer des putains de barils explosifs, par pitié, ça serait bien. Ça serait cool, je t'avoue. Ok, bah c'est ce qu'il est en train de faire, là, carrément. Oh ! Wesh ! Vu que je suis derrière, ça m'a protégé ? Mais non ! C'est abusé, en vrai. Mec, j'étais sûr qu'il allait me faire tomber, le bâtard, là. J'étais vraiment sûr qu'il allait me faire tomber, là. Ah, il a tellement bien visé, mais genre j'ai l'impression que j'étais bien de l'autre côté du pylône. Du coup, y a rien eu. Wesh.
Merde. Enlève, 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 enlève. Non. Wesh. Attends, quoi? Ah. Ok. Ok, ok, ok. Au secours, hein, au secours. Ok, encore, nickel. Ok, il est moitié vie, moitié vie. Ah, j'ai raté toutes mes flèches, c'est grave. Ok. Ah non, mais mec, ça me fait trop peur, les putains de... Les putains de... Ah non, l'œil. Oh mec, attends, si on fait tomber l'œil... C'est une putain de strat, ça, non? Attends, il est bloqué, l'œil? Mais non. 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 Oh, le bâtard, j'avais pas vu que j'étais low HP. Merde. Merde, mais attends, mais je crois que l'œil était bloqué. On aurait pu le défoncer carrément, là, non? Merde. On aurait carrément pu prendre l'œil et le balancer dans le vide, genre, non? Merde. Ah, le seum. Putain. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, on peut pas tout faire first try non plus. Strat de fou, si ça marche. Ah, c'est... Ah, là, clairement, c'est pour le best-of, hein, si ça marche. T'as quelle heure, Mario 64? Il y a pas d'heure, c'est juste une fois que je termine le mode, là. Et bonsoir, Anise. Mais si je devais estimer, je dirais 22h à peu près. Mais... Ok, du coup, on recommence, on recommence, on recommence. Toi, tu crèves. Voilà, la petite tête dans le vide. Ok, ok, toi tu meurs. Toi, zbing. Wesh, vous avez vu l'item qui a volé là? J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Ok, on peut prendre les flèches ici. Lui, on le fume. En fait, les têtes, je me demande si je devrais les tuer. Parce qu'en fait, elles respawnent vraiment à l'infini, quoi. Tu peux courir à l'infini. Il y aura toujours des têtes. Autant l'attendre ici. Au secours, hein. Ah, il y a toujours des fesses à mes fesses. Des fesses, non, pas des fesses. Des têtes à mes fesses, pardon. Pardon, excusez-moi. Pas des fesses à mes fesses. Tout va bien. Salut, Hugo. Mais dégage-moi ça. Non, mais je vais mourir. Ils veulent me tuer. Pirate. Tombe pas. Ok, ok. Ok, good. Enfin, comment on est des ninjas, quoi. Genre, on les a tués tous les deux en bullet time. Non, par contre, il y en a vraiment trop, là. Genre, si je fais ça, ça peut peut-être en nettoyer un peu. Ok. Ah, il y en a vraiment beaucoup, hein. Ah non, mais mec, il met tellement de dégâts. Je vais péter un câble, hein. Oh, oh là 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 là. Ok. Attends, j'ai pas pris d'os. J'ai toujours pas pris d'os. Au revoir. Comment on kick dans la balle, ça me termine. Fais-toi des plats. T'inquiète, j'en ai. C'est pas un sousaï. Ok, lui on l'a eu, zbling.
Où est-ce qu'on peut aller? Arc Boko, bof. On peut fumer ces deux-là déjà. Ok. Ok. Est-ce qu'on la kick? On la kick carrément. Kick ça. Let's go. Ok. On en a eu deux. Une ou deux. Ok. C'est quand même un peu long en vrai hein, de tous les tuer les squelettes là. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Genre j'en ai tué 5 là des têtes hein. Non mais c'est grave hein. Ok. Salut Homer, ce n'est pas sur ma chaîne qu'il faut demander. Je m'occupe pas des demandes d'unban de F. Hein. C'est pas à moi qu'il faut demander, c'est au modérateur de F. Tu leur envoies un message sur Discord. Oui, je sais. Bah pourquoi tu me demandes alors? Pourquoi tu me demandes si tu sais alors? Faut m'expliquer là. Faut m'expliquer. Ok, je pense qu'on les a tous tués avec lui, non? Ouais, ils sont tous morts, non? Non? Il en manque? Ah, si, je crois savoir où est-ce qu'il en manque. Genre de l'autre côté. Ah oui, c'est lui. C'est juste lui. Kick ça, kick ça! Est-ce qu'on peut le kick? Est-ce qu'on peut le kick? Let's go! Ça me termine. Hein. Ok, ils sont tous morts. Ça a déclenché Inox, voilà. Salut Kira, salut aussi Kevix. Oh, wesh, non. Non, tombe pas. Oh putain. Merde. J'ai glissé chef. Ah ouais. Non, ok, ok. Pff, ok, c'est backup. On a eu chaud, hein. Comment tu fais pour kick? J'appuie sur R. Comme si je voulais lancer. Ok. Non mais mec, y en a... Vous avez vu tous les gens que je tue avec une bombe? C'est grave, hein. Ok, c'est bon, c'est bon. Non, grimpe, Link. Link! Tu tombes quelle catégorie après sur Mario 64? Bah en ce moment on fait du 70 étoiles, on fait que ça en fait. Oh putain, ça fait tellement peur. Allez, deuxième essai. La deuxième c'est la bonne, bien sûr. Cette expression n'existe pas, hein, mais bon. La deuxième est quand même la bonne. Ouh, heureusement qu'on est derrière le pylône, hein, putain. Par contre, je vous avoue que sans les éclairs et sans les têtes, vraiment, ce niveau serait gratos, hein, mais bon. En même temps, il faut un peu le pimenter, quoi, c'est bien normal. Merde, merde, non, mais putain, dégage ça. Dégage ça aussi, putain. Oh, je vais péter un câble, c'est trop dur. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut rien mettre, hein. Si, on peut mettre un os. Ok. Oh la vache, putain! Ah non, faut mettre ça genre par exemple. Non mais mec, c'est... En fait, il faut tellement alterner entre les trucs qu'il faut équiper, les trucs qu'il faut enlever, les têtes qu'il faut tuer aussi parce qu'il y en a partout mon gars. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Y'a combien de têtes là? Non mais. Laissez-moi tranquille!
Ah putain, je vais crever. Non, mange, 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 mange. Ok. Enlève, enlève, enlève. Oh putain. Oh non, fils de... Non. Mais c'est trop dur. Oh non, mais mec, mais c'est pas possible. Oh. C'est trop dur. C'est trop dur. Putain, mais en fait, l'éclair, ça rend le truc vraiment trop dur, genre. Oh non. Ah, j'ai carrément grid, mais bon, je pensais pas que... Enfin, en fait, je pensais pouvoir l'enlever pendant l'animation, mais c'est vrai que c'est tu peux pas l'enlever pendant l'animation. C'est horrible, frère. C'est horrible. J'avais 203. Non. Arrêtez. Putain. Fuck. C'est trop dur, frère. Non, tranquille, tranquille. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, tout va bien se passer, comme sur des roulettes. Déjà le troisième mois, merci infiniment Somnyu. Pour le troisième... Mais attends, mais... T'avais pas resub carrément hier? Déjà le troisième. Il me semble que t'avais resub hier, non? C'est buggé parfois Twitch, hein. Merci pour le troisième mois, en tout cas. T'es sur Semu? Non, je suis sur Switch. Ouais, tellement de trucs à gérer. Non, c'est abusé, hein, vraiment. C'est vraiment abusé, hein. Le nombre de trucs que tu dois gérer, ce n'est pas simple. Ce n'est vraiment pas simple. Ok. 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 Le mode est dispo aussi sur Wii U? Oui, oui, tu peux l'installer sur Wii U, je pense. Enfin, si c'est dispo sur Switch, généralement, c'est dispo sur Wii U. Si, ma nouvelle coiffure. C'est pas une nouvelle coiffure, mais bon. C'est juste que mes cheveux sont mouillés, parce que je me suis douché. Ça arrive, hein. Ça m'arrive de me doucher, ça arrive. C'est une chose qui arrive. Non, mais... Les têtes qui se suicident, c'est pour me tuer, hein. C'est pour me tuer. Meurs. Meurs. Elle est où la tête qui est tombée là? Ça va, ils l'ont pas récupéré quelque part là? Non, on dirait pas. Ok, on peut continuer, on peut continuer. Ok. Ok. Bah. Il a vraiment mis 3 piges à spawn là. Hein. Ouh, what? Non mais attendez, vous vous rendez compte que là on vient de se prendre un éclair mais genre random? Genre c'est même pas parce que j'avais des outils électriques quoi. Enfin des outils métalliques pardon. On se l'est pris dessus carrément. Wesh. C'est méga rare. Hein. Ok. Grimpe, ok. Ok. Ok, il y a la tête ici. Hop. Ok. Ok. Crevez les frérots, par pitié. T'as eu de la chance, à peu près, à peu près. On peut dire ça comme ça. Même si c'est pas vraiment ça. Alors attends, lui, hop. Mec, vraiment, c'est dommage, hein, parce que à chaque fois, c'est juste sur l'inox qu'on bloque, mais... Genre, c'est pas juste un inox, c'est genre, il y a les têtes en plus, il y a la foudre qui casse les couilles. Mais vraiment, les deux fois, on y était si proche. C'est abusé, hein, à quel point on était proche de réussir. Hop. Non, mais vous avez vu ça? Non, mais... C'est la PGW des têtes qui volent, quoi. Et ils veulent tous ma photo, là. D'ailleurs, je sais pas si... J'ai jamais fait de convention à Paris, mais maintenant que j'habite en banlieue, ce serait peut-être cool que je fasse genre la Japan Expo ou autre.
Que la PGW, ça a l'air d'être un peu trop grand, à mon goût. Genre un peu avec trop de monde. Le menu manga à 10€. J'ai la ref. Mais ça serait super cool, ouais. J'ai jamais fait de convention. Enfin, j'ai déjà fait des conventions. Mais pas en tant que créateur de content, quoi. Streamer. Mince. Attends, on a eu les deux. On a même eu celui en bas, là. En bas, là. Laissez-moi tranquille. Lâchez-moi la grappe. Ok. Hop là, on le kick carrément. Ok. Et ensuite, il y a celui qui est juste en dessous. Non. Oh, c'est une vanne là. Oh oui, il est tombé. Let's go. Ok, je crois qu'ils sont tous morts, non? Je crois que ça débloque le inox là, non? Ouais. Ouais. Quasiment sûr. Yes, ok. Salut MyMyGeek. Yo. Alors par contre, d'abord, avant toute chose, va falloir exterminer toutes ces têtes qui sont après nous là, encore une fois. Ok. Allez, troisième essai, mon gars. Celle-ci, c'est la bonne, ok? Je veux rien savoir. Allez, on grimpe tranquillement. Faut vraiment faire gaffe, en fait, aux éclairs sans vraiment grid. C'est chaud, hein. Salut, sympathique, c'est quoi ce bazar? C'est Mario 64 dans Breath of the Wild, c'est tout, c'est un mode. Et c'est un mode où il y a littéralement des étoiles, enfin vous verrez en théorie, quand je battrai ce boss, vous verrez, il y aura une étoile qui popera en théorie. Peut-être même que c'est une étoile spéciale vu que c'est le dernier niveau. Faut voir. Wesh, y'a pas d'éclair là, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a pas d'éclair là. Bah tant mieux, écoutez, hein. Je vais pas dire non, hein. Ok. On va la déséquiper comme ça, hop. Wesh, non. Oh, pourquoi je suis tombé? Oh non, merde. Ah, en vrai, c'est peut-être pas une mauvaise idée pour clear les têtes qui me suivent, non? Non, je sais pas. Ok, il est déjà mis de life. Bah, par contre, je crois qu'il faut, c'est vraiment son œil qu'il faut focus, mais... Oh, en théorie, il est quasiment mis de life. Ok, on prend notre temps. Tranquille, on reste derrière le pylône. Les explosifs nous atteignent pas. Tout va bien. Mec, c'est vraiment stylé en vrai, hein. Je trouve avec les petits nuages blancs. Genre les têtes qui volent, les éclairs et tout. C'est vraiment méga épique, hein. Et puis même la musique custom, hein. La musique custom, c'est pas moi qui l'ai rajouté, hein. C'est de base dans le mode, quoi. Je sais pas comment ils font pour modifier les musiques dans le jeu. C'est abusé, hein. Ok. Allez, on peut le faire. Oh oh. Wesh. Ok, il ouvre son œil. Ok, il est là. Faut faire tomber son œil de la plateforme. Vite. Non. Oui. Ok. Là, on peut le fumer, non? Dans le coin, non? Non, on peut pas le fumer, là? Il est bloqué, là, non? Oh, mec, ça me brise les oreilles. Ok. Attends, mais mec, là, il est carrément mort, là. Il est carrément mort. Attends, mais on le termine, là. Let's go!
Let's go! Enfin! Bah voilà! Ok, alors l'étoile n'a pas l'air d'être spéciale, mais alors qu'est-ce qui va se passer par contre une fois qu'on la prend? Let's go! Let's go! La dernière étoile, ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce pas ça? Attention, peut-être qu'il y a un truc à la fin, je sais pas. Enfin, certainement la quête se termine. Link. C'était le pouvoir de ces étoiles mystérieuses. Ils t'ont téléporté dans un endroit qui a été créé dans mon univers. J'espère que tu l'as apprécié. Ah bah mec, c'était insane. C'était trop bien. À la prochaine. Ah, c'était trop bien. Non, franchement, c'était insane. Wesh. Oh, y'a carrément... Attendez, y'a carrément des crédits, genre. Créé par Waiku Teru. Attends, mais c'est abusé. Y'a la musique des crédits de Mario 64. C'est trop bien. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Nanana. Oh, le remix est incroyable, hein. C'est le staff roll, en effet. Banger, ouais, vraiment, je le connaissais pas. Là, c'est les remerciements, du coup, de tous les gens qui ont fait les mods. Le mod, à la base, là, c'est toutes les personnes qui ont aidé. Mais le mod qui l'a fait, enfin, vraiment, le créateur principal de ce mod, c'est Waiku Teru. De toute façon, je le mettrai, je pense, dans la description de la vidéo YouTube. Je peux aller sur Mario 64, on vient vraiment de terminer, hein. Laissez-nous le temps de souffler. Hein. Enfin, j'ai vraiment envie d'écouter cette beauté de ce truc. Et aussi, il va falloir qu'on fasse l'outro pour la vidéo YouTube. Comme ça, vous pourrez dire au revoir YouTube. Me dites pas que je viens d'arriver quand c'est fini, t'inquiète, on switch sur Mario 64 juste après. C'est un banger. Il y a les musiques. Attends, mais mec, c'est version métal ou quoi, là? Ah, franchement, le mode était trop cool, hein. Genre, et puis en plus, moi, je pensais vraiment qu'elle est juste... Enfin, je pensais juste que c'était un portage du monde, tu vois, et qu'elle est pas vraiment de jouabilité. Mais mec, il y a genre 5 heures de jouabilité, quoi. C'est abusé, en vrai, hein. 5 heures de jouabilité, en vrai, hein. C'est abusé, hein. Non, ok, j'ai peut-être un peu trop galéré. Disons 2-3 heures. C'est déjà énorme, hein, franchement. Franchement. Donc là, il remercie toutes les personnes qui l'ont aidé sur le mode, certainement. Salut Game Mario. Alors attendez, je vais remonter les messages dans le chat en attendant. Merci pour tous les GG, ça fait plaisir. Et bonjour Jocelito. Merci Solal Gone, si tu es toujours là pour le sub-gift. Ah, merci à Solal. Merci à Solal. Ouais, j'avoue, ça mérite des 4 jams, j'avoue. En fait, j'ai pas envie de dire au revoir à YouTube et de rater quelque chose à la fin des crédits, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, quittez pas, hein, on arrive, on switch sur le speedrun de Mario 64 juste après. Littéralement, le vrai Mario 64, ça, cette fois-ci. Attendez, je vais chercher quelque chose pour me moucher, vite fait. Je crois que c'est la fin des crédits, merci à tous mes subscribers, Patreon et YouTube. Rip Benny my dog, oh non, c'est son chien. Rip Benny. Bah écoutez, YouTube, j'espère que vous avez kiffé ce mod. Continue playing. Wesh. What? C'est quoi la musique? Ah, c'est un teasing d'un de ses prochains mods? Let's go, on a terminé la quête principale. Écoutez YouTube, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez kiffé ce mod. Je l'ai vraiment adoré parce qu'il m'a vraiment donné genre 3-4 heures de jouabilité. De base, je pensais vraiment que c'était juste le royaume Moon Fortress qui était reproduit dans Breath of the Wild. Mais c'est vraiment plus que ça. Genre, il y a vraiment plein d'étoiles à aller chercher.
Et le dernier level, c'était vraiment la petite surprise inattendue qui m'a fait kiffer. Voilà, j'ai adoré. N'oubliez pas le like, voilà. Et puis voilà, regardez, tout le monde au-dessus vous dit au revoir. Bye bye YouTube, au revoir. Des bisous, ciao.